Mais vous, monsieur Chen, je me demandais pour le choix du candidat. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que vous avez? Ah, le bruit! C'est ma montre. Elle est nouvelle, j'arrive pas à m'en amuser. J'ai mis une alarme, c'est une alarme qui repère les araignées. Qui repère les araignées. Il y a des. Il n'y a pas d'araignées. Suivez-moi, ne faites pas trop bouer surtout. Venez, je vous en prie. Voilà. Installez-vous. Soyez les bienvenus chez Monsieur Chan. C'est à peu près ça. Ça ne se prononce pas de la même manière. C'est pas Monsieur Chu, c'est Monsieur Chan. C'est Chan. Monsieur Chan qui est toujours prêt à rire. Ah ben alors lui, c'est. C'est mieux, il y a du mieux là. Ah, je suis désolé, mais Stevie fait une allergie à. Je ne sais pas si c'est à vous. Je ne pense pas. Bon, mes amis, Monsieur Chan va vous proposer, bien sûr, de récupérer une clé. En tout cas, je l'espère. Pour ce faire, Monsieur Chan va d'abord choisir l'un d'entre vous. Monsieur Chan, c'est à vous. Nathalie, c'est pour toi. Allez, bonjour. Tu vas pouvoir faire bonjour. Ça va, ça a l'air d'être sympa cette. On est là. En plus, le traversin est en pure soie de Chine. Très bien. Je vous rappelle que le principe est très simple. Pour récupérer la clé, vous allez devoir reconstituer, sur base de ces pièces de bois qui se trouvent là, un dessin que va vous proposer maintenant Monsieur Chan. Sachant que ce dessin doit être utilisé avec toutes les pièces de bois qui forment pour le moment le carré. Et ce dessin, le voici. Pour reconstituer ce dessin, il va falloir que vous alliez vite, car vous n'aurez que le temps de la clepsydre, et c'est Stevie qui va devoir le reconstituer. Ah non, vous rigolez. Bonne chance, Stevie. C'est parti. Ah, mon Dieu, mais je vais pas. Tu glisses tes mains dans les ouvertures. C'est l'horreur. T'inquiète, elles ont plus peur que toi. Je vais tranquille. Allez, sois mignonne. Ok, tu vas pouvoir. Dans un temps, elle va partir. Glisse les deux mains, les deux mains. Vas-y. Regarde. Réfléchis pas trop. Attends, je vais d'abord réfléchir au truc. On va mettre le carré en haut. Ah mon Dieu, mais c'est l'horreur. Tu peux mettre les deux mains dans les ouvertures. Mais comment ça bouge pas? Ah si, ça bouge. Et la deuxième main. Vas-y, la deuxième. Tu peux utiliser les 7 pièces de bois, Stevie. Ah là là. Il est obligé de le faire tout seul. On peut pas l'aider? Personne ne peut l'aider. Oh, ça doit être... Un gros triangle en dessous du carré. Si, c'est les deux petits triangles. Le gros là qui est en bas. Le gros en bas ou le gros sur le côté. Ah, mais c'est l'horreur ces trucs-là. Sois mignonne, Fifi. Elles sont mignonnes, elles sont toutes mignonnes. Ça va comme ça. Ah, mais elle veut monter sur ma main. Elles te disent bonjour, tu vois. Elles sont polies. Oh, vas-y. Ah là là, c'est tranquille. T'inquiète pas. Mais si, vous pouvez l'aider. Conseillez-le. Conseillez-le. Il n'y a que Stevie qui peut mettre les mains à l'intérieur. Vous pouvez le conseiller. On a compris la formule. Vas-y. Mais sois mignonne. Il est demain. Non, je vais pas y arriver, les deux. Vas-y. Allez, concentre-toi uniquement sur les pièces de bois. Je vous rappelle que Nathalie, son sort dépend de toi, là, Stevie. Vas-y. J'y vais, ma chérie. C'est bien, tu t'en sors bien. Le petit carré en bas. J'ai vu. J'y vais, ma belle. C'est bien, ça, Stevie. Parfait. Ça va comme ça. Hop. Et ça va aller de côté. Deuxième indice, regardez. Le chat qui nous donne un indice en plus, est-ce qu'on va en avoir besoin ou est-ce que c'est bon? Ça va, on va en avoir besoin. Ouais. Ah, mais il y en a un aussi. Non, c'est pas grave, je suis sûre qu'il y a des araignées. Regarde, c'est presque là. Regarde, un petit rapproche. Attends, je comprends pas. Regarde là. Regarde un petit peu plus là. Ah oui, j'ai oublié le petit truc. Et inverse en le gros, c'est presque ça, c'est presque ça. Attends, je comprends pas là. Attends, si, si. Ça. Ah oui, celui-là. Oui. Voilà, je mets là. Et voilà. Celui-là. Là-haut. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, M. Chan? Non, c'est pas ça. Ça ressemble un peu quand même, non? Attendez. Tu tournes le petit. Oui, le petit. Tu mets le gros. Non. Comme ça. Attention au temps. Regardez la clepsydre. Et tu mets. Ah là 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 là. Ça va être bon. Vas-y, si. Et ça, c'est bon, ça, non, M. Chan, non? Non, c'est pas bon. Stevie, malheureusement, regarde, M. Chan nous fait signe que c'est terminé. Ah, elles se battent entre les deux. Elles sont toutes en train de s'exciter, là. Ah, mince. J'en avais vu comment ça s'appelait. C'est dommage, c'était bien tenté. Le grand triangle, il fallait le garder. En tout cas, t'as été super courageux, vraiment. T'as pas eu peur de mettre les mains. Bon, M. Chan, vous savez ce qu'il reste à faire. Il lâche les araignées. Non, arrête. Voilà, on vient
vient de perdre Nathalie, malheureusement. Je vous avais dit que son sort dépendait de vous. Il fallait absolument réussir ce tangram pour pouvoir la libérer. Moi, c'est plus rien, ce fort. Malheureusement, elle est partie en prison. C'est la boule qui va s'occuper d'elle. Tu rejoins avec ta fille ? C'est la première prisonnière de l'équipe. On se décourage pas. On va pouvoir y retourner. Et il nous faut une clé de plus. C'est important. Allez, allons-y. On va te libérer, t'inquiète. Je vous laisse sortir. Et bravo. Franchement, bravo. Je referme la porte derrière moi. Allez, ferme.